Je suis un bonhomme, frère. Je suis un bonhomme. Impitoyable, j'ai vu la lumière. J'ai vu la lumière, en fait. Impitoyable, ça veut dire que si je suis proche de mourir et tout, on va tous être trop stressés et tout. On va vivre le truc à fond. On va vivre le truc à fond. Choisissez un nom pour votre établissement. 32 caractères maximum. Cram River. Vous avez la ref? Bienvenue dans le créateur des prisonniers. Ici, tu peux choisir l'apparence des de vos condamnés. Abuse, frère. J'ai que ça à foutre. Il y en a 32. Ouais. Fnatic. Pas mal. Fnatic, j'ai deux. La liste est longue encore. Hein. La liste est très longue. Je peux être un prisonnier. Ah, je crois pas, les gars. Personne ne serait un prisonnier. Tu peux toujours personnaliser les prisonniers générés aléatoirement en sélectionnant un analyste. Ok. Comment je fais tir au sort? Mais je peux pas choisir, je peux pas changer son nom. En fait, je veux faire tirer au sort puis changer le nom. Si. Ah, c'est là, général. Si tu peux. Ok. Déjà, on met toute la KTV déjà pour commencer. Il ressemble plus à qui, lui, dans la KTV? Ah, il a une grosse beubare. C'est Bibi avec des cheveux. Hein. faut qu'on aille vite, les gars. Il y en a 16, sa mère. Bibi. Ah, mais faut mettre nom, prénom. Je vais mettre Bibi. Ok. Wesh, c'est qui lui? Mais wesh, attends, il y a le... C'est le face-up, là. Shooter, toi. Non, c'est vrai, il y a un air de période. Avec la voix... Du coup, j'appelle Shooter, c'est ça? Mais in-game, on va voir. Juste Shoo ou Shooter? Les deux. Ah, donc c'est bien de mettre Shooter, c'est ça? Ok, parfait. Ah, bon, là... Arrête, j'ai pas mis tirer au sort. Ok. Il travaillait pour gagner sa vie comme graphiste. Après le travail, il aime prendre part à la formation en cyclisme. Il a été arrêté pour meurtre avec l'utilisation d'une arme à feu. Il a reçu une peine de mort, mais avec une date indéterminée, il vivait avec sa mère. C'est Dave, c'est un graphiste. De Ave. On devire nachen. Le daron, lui c'est le daron. De Ave. C'est Xavier. Xavier. Les gars, vous êtes sûr que c'est le bon plan d'écrire en... De mettre une syllabe par un nom, comme ça, tu vois. Vas-y, y'a que des chauds, frère. Non. Ah, mais quelqu'un sait. Mais cassé en prénom. Essaye d'écrire que le prénom. Vas-y, j'avoue. Fati. Avec ses grosses lunettes. Tout ça pour mourir et tout recommencer. Bah on verra, dit sa mère, c'est la vie, wesh. C'est bon, laisse-nous kiffer. Écris que le prénom, ok? Fachi. Et ça marche? Non, regardez, il s'appelle Fatiki. Oh, comment il marre.
Mais un point. Ah, mais du coup, je dois tout refaire, sa mère. Oh, come on, my friend, then. Who ma? Qui est lourd. With a Come on, my mahasir, friend, what's a care? Oh, the villain! Il travaillait pour gagner sa vie comme bioénergothérapeute. Rayou, frère. Scientifique du groupe. Il a travaillé comme devin. Après le travail, il aime contempler la nature. Il a été arrêté pour diffusion de jeux piratés. Il a reçu une peine de 24 ans de prison. Il est veuf et a un enfant. Il déteste la net. Zongo, prends Zongo. Zongo, ok. Moi, je vous suis. Il y en a tellement que vas-y, on va pas. Ah, le crotte, hein. Les stocks, le crotte. Ça y est, c'est que des moustaches maintenant. Il a travaillé comme comportementaliste pour chat, comme passe-temps. Il aime faire des excursions dans les montagnes. Les policiers l'ont attrapé et l'ont arrêté pour courir nu dans un lieu public. Il a reçu une peine de 23 ans de prison. Il vivait avec ses parents. Il croit que la terre est plate et il en a la preuve. Les bâtards, ils ont dit rallye. Non, 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 mais. Il a travaillé comme caissier pendant son temps libre. Il aime jouer aux jeux vidéo. Les officiers l'ont arrêté pour le braquage d'un magasin de jouets avec l'aide d'une cuillère en plastique. Il a reçu une peine de 24 ans de prison. Taour, lui? Toi. C'est vrai qu'il y a un air avec moi quand même. Vas-y, vas-y. Lui, j'ai déjà vu son style. Il a travaillé comme écrivain après le travail. Il aime écrire des articles sur les jeux. Les policiers l'ont attrapé pour possession de logiciels piratés. Qu'est-ce Je sais pas si on a déjà vu ce style. Il a travaillé comme traiteur. Après le travail, il aime jardiner. Il a été envoyé en prison pour braconnage avec l'utilisation d'une cuillère en plastique. Mais ouais, je suis prêt, ils attaquent que en cuillère en plastique. Ah ouais, il y en a, vous êtes bizarre dans le chat. Wesh, abusé, abusé, wesh. On va mettre période. Période, c'est un mec qui aime bien la nature et tout. Toi, mais moi je suis le garde, wesh. Moi je suis le garde, wesh. Merci Distrimka pour les 5 mois. Ouais, on va mettre un mort. Gagner sa vie comme baker. Après le travail, il aime faire des excursions dans les montagnes. Il a été envoyé en prison pour le braquage d'un magasin de jeux avec l'aide d'un pistolet à eau. Le tribunal l'a condamné à peine de mort à une date indéterminée. Il a une femme et deux enfants. Il croit que les extraterrestres ont pris le contrôle de lui. Ouais, c'est quoi ce truc, frère? Attendez, je vais retirer au sort. Ça, c'est ma roue. Prochain, c'est KZ. Nestfem Domita. Ouais, c'est qui ce taré, frère? Le Chix. On peut pas rajouter d'autres?
Y a trop de gens, ils vont. C'est rip. C'est vrai que ça peut être rip. Je vais pas rajouter d'autres. Je vais me faire pull-up. Arrête, ça va me mettre. Si, c'est obligé, c'est rip lui. Il peut que être rip ce mec. Bon, vas-y, dis que ça mère. Bizarre la description quand même. Ah merde, j'ai pas lu. Il a travaillé comme électricien. Il aime faire du yoga. Il a été envoyé en prison pour pickpocketing. Il a été condamné par le tribunal à 11 ans de prison. Il est célibataire. Il croit que des extraterrestres ont pris le contrôle de lui. Franchement, ça va. Hein. Franchement, je vois pas où est... Je vois pas où ça merde là. Mais ouais, je vais rajouter, il joue Corky Top, sinon on est là. Hein. Verrouillé. Ouais, c'est bon, c'est bon. De toute façon, on va pas se prendre la tête, c'est bon, frère. Et avec 16 places, moi, j'y peux rien. Je peux mettre terminé là, non? Ah, je peux vraiment lui hâte, frère. Dans le créateur de gang, tu choisis les prisonniers qui rejoindront l'un des trois gangs. Tu peux choisir un symbole pour chaque gang. Ça, je peux pas mettre au hasard, ça? Comme ça va faire des gangs au hasard, pas mal, non? Juste les noms des gangs, c'est tout. Ah, ça, c'est... Attendez, ça, je vais... Acheter un membre RIP. Et après, tout le reste, je mets... Mais je veux pas voir. Les puants. Je fais quoi comme troisième gang? C'est vrai que là, je peux mettre tueur, en fait. Tueur. Les puants. Pistache. Le clan pistache. Je mets les frères pistache et c'est tout, ok? Ok, ok, les gars, fermez vos yeux. Faut pas qu'on se spoil qui est dans quel gang. C'est vrai que là, j'ai mis... Ouais, Chilou, côté, frère. Je le vois pas. Il est là. Avec un dragon. Bah ouais, je suis la pistache. Le dragon, il y a un bail. Ok, fermez les yeux, fermez les yeux. Si je fais tirer au sort pour tous les autres. C'est bon. C'est bon. Vous avez vu ou pas? Comme ça, on va découvrir in-game. Et on enlève la musique. Une musique normalement en fait. Et toi là? Non mais je crois qu'il y a une musique en vrai les gars. Mais j'ai enlevé le son de la musique du jeu. Lost Ark. Non mais c'est juste pour pas être AFK en fait, c'est tout. Comme ça me déco pas. Les gars regardez wesh. Il level 460, je suis quelqu'un ça. J'ai trop avancé dans la quête. Bienvenue dans Prison Simulator. Pour suivre les mises à jour ou signaler des bugs, s'il vous plaît, rejoignez notre Discord, amusez-vous bien. Ta mission principale est de réaliser les routines qui te sont assignées pour la journée. Consultez leur liste dans le journal par défaut J pendant ton travail. Réprime au mauvais comportement des détenus et profite de ton temps libre entre les routines. La plupart de vos actions sont jugées par les autres gardiens et les prisonniers, ce qui affecte ton niveau de respect.
Niveau de respect global en bas à gauche de l'écran correspond à la moyenne de tes relations individuelles avec les prisonniers ou les gardiens. Tu en sauras plus sur cette statistique au cours du jeu. Pendant votre temps libre, vous pouvez vous détendre en jouant à des mini-jeux, en accomplissant des quêtes secondaires ou en réagissant aux événements du jeu. Excellent. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oui, bonjour, monsieur Richard Bryant. Je suis le crâne. Caractère neutre, respect. Attendez, faut peut-être que je bouge ma cam. Déteste Taour. Bonjour, tu dois être le nouvel agent correctionnel, non ? Je suis Richard, heureux de te rencontrer. Bonjour Richard. Alors, tu as des questions avant qu'on aille voir le directeur. Il veut te parler avant ta garde. Peut-être quelques questions et conseils. Peux-tu me dire des. Ouais, peut-être. Je pense que la plupart des choses, tu vas les apprendre du directeur, mais je peux te parler du respect. Vas-y, je veux pas de. Ah, donc on peut être un peu corrompu. Si jamais tu te sens perdu, utilise ta carte, elle se trouve sous le bouton M. On y va. Ouah, les mains. Non, je vais pas mettre une bounia, sinon on est foutu. Bonjour monsieur le directeur. Oh là là, qui se souvient quand Michael Scofield, il était en train de construire le Taj Mahal pour le directeur de la prison. Oh la dinguerie. Que cette journée se termine. Oh, tu dois être le nouveau, je suis Kenneth, ton nouveau directeur. Enchanté de te rencontrer. Comment te sens-tu? Nerveux, hein? Non, ça va, monsieur. Mais oui, je pourrais parler comme ça. Merci, Black Ox, pour les 8 mois. Ok. Juste pas du moins, qu'est-ce qui se passe si je me blesse, je suis vraiment battu. Il est arraché ce bâtard, wesh. C'est quoi ce directeur, wesh? Va au bloc cellulaire, on y va. Les gars, faut que je fasse gaffe parce que si je meurs, je perds la game, c'est fini. Waouh, c'est là-bas, c'est tellement loin, frère. Oui, ouvrez. Article nourriture. Je peux acheter dans la voiture si tu en as besoin. Mange et restaure tes HP. Va au distributeur et choisis quelque chose par défaut. Choisis ce que tu veux, par exemple. Ok. Donc pour ce heal, c'est ça. Et vu que dans tous les cas, je peux pas mourir. Ah, je peux mourir, mais. En fait, je peux mourir, mais c'est le seul moyen de se heal, quoi. Ok. Ok, on est là au niveau des cellules. Il a pas écrit leur nom encore. Ok. Immense la prison, frère, c'est une vraie prison là. Routine contrôle de la présence. Ta première tâche consiste à vérifier les présences. Va dans le bureau de permanence qui se trouve à gauche de l'entrée et utilise le levier pour ouvrir les cellules. Choisis ensuite un compteur. Va voir les prisonniers et compte-les. Lorsqu'un prisonnier ne se rend pas à l'assemblée, parle-lui par défaut pour savoir pourquoi il ne coopère pas. Réagis lorsque les prisonniers ne se comportent pas correctement. Utilise l'un des outils de la force directe. Choisis l'arme dans la. Ok. On peut pas tuer avec, mais on peut neutraliser un prisonnier à problème.
Pour effectuer une attaque, il faut cliquer sur la touche d'attaque assignée par défaut. Pour effectuer une attaque forte, maintiens la touche, ok. Tu peux aussi te protéger, tu dois maintenir la touche. Ok, classique, classique. Bonjour! Vérification de la présence. Bibi. Oui. Merde. Comment ça marche? Comment j'ajoute un truc? Lis ton Twitch BG pour jouer avec nous. Q. Mais non, j'ai fait Q. Attends, comment je fais pour jouer avec vous? Clique, j'ai cliqué, wesh. Option, Twitch. C'est connecté avec Twitch, connexion. Comment ça, nom du salon? Nom d'utilisateur, Kamet0. Nom du salon. Je remets le même salon en fait, c'est vous? Fous les meutes, les gars, baisez pas la game! Qu'est-ce que je dis, moi? Mais c'est nous. Attendez, faut que je marche sur Lost Ark. Attendez, c'est quoi ça? En fait, il me donne un code. Use the following password to login to chat. Ça marche? Bienvenue dans le monde de Twitch Prison Simulator. Où les viewers voteront de 6 discs. Ok. Les gars, foutez pas la merde, j'ai mis en impitoyable. Soyez sympathiques, s'il vous plaît. Mais ils m'ont hack, j'ai jamais écrit ça, moi. Je me suis fait baiser, non? Et foutu Krams. Temps de vote. 10 secondes, seuls les abonnés peuvent voter. Wesh, les gens qui ont c'est pas moi, ils m'aiment trop, ils vont pas me baiser, wesh, t'es con ou quoi? T'es con ou quoi? T'es con ou quoi? Il y a que les riches qui veulent voter. Hein, ça voulait me baiser, hein? Temps de vote, 15 secondes. Vas-y, vas-y, je laisse tout le monde voter. Moi, je suis un bon, je suis un bon, je suis un bon. Ça pourrait être un avantage pour les subs. Mais comment ça marche déjà, ça, là? Option, contrôle. Interaction E. Vas-y, vas-y, frère! Mais je vais à peine, j'ai même pas encore! Mais j'ai fait clic gauche, les gars, j'ai fait clic gauche. Ta mère, arrête ça, frère. Voilà, nique-lui sa mère, voilà. Putain, mais vas-y, mais c'est pas juste, frère, j'ai même pas eu le temps d'apprendre à jouer, frère. Putain. Emprisonné mort et signalé comme blessé, mais son corps est déplacé à la mort. Il ne laisse pas trop de gens mourir en peu de temps. Lorsqu'une icône en forme d'étoile apparaît au-dessus du prisonnier, c'est lui qui doit prendre virement. Ok. Ouais, je suis prêt, c'est bon, ça y est, tout le monde est mort.
C'est bon, là il va se réveiller. Oh, lui il s'est fait baiser sa mère, c'est qui? Rally. Oh. C'est qui s'est fait niquer sa mère? Votre rive s'est fait allumer, wesh. Allez, c'est parti. Allez, alors, bonjour, on va commencer l'appel. Bibi, présent. Shooter, présent. Faudrait que je repose l'extincteur. Dave, présent. Xavier, présent. Wesh, qu'est-ce qu'il y a? Tu es appelé, tu dois aller devant ta cellule. Pourquoi ça? Fati, il aime trop. Mais même dans les jeux, il me casse les couilles, ce mec, frère. Frère, c'est les règles, c'est tout. Je ne me suis pas enfui. Allez, ta mère. Allez, viens. Tu veux y entrer? Casse-toi ou je te pète la gueule. Sors, je t'ai dit! Il tape ce bâtard. Eh, monsieur le policier! Debout! Qui on va démolir aujourd'hui? Je vais mourir, frère, il tape trop fort ce bâtard! Il m'a mis un enchaînement! Il est là, ok, suivant. Bon, vas-y, c'est bon, arrête de chier! Rayou, appelle! Merci, je n'avais pas remarqué. Mais pourquoi ils font tous les malins, frère? C'est bon, frère, tu chieras juste après, c'est bon. Ah, ça pue. Je serai damné. Frère, attends, je vais fouiller, moi. Donne-moi ce cookie. Il a caché quelque chose dans sa merde. Chips à l'oignon. Dans mon dos, frère. J'ai faim. Ah, les chips, elles vont avoir un goût. Comment je mange déjà? Inventaire. Mange. Mange. Oh, ça régène pas de ouf non plus, hein. Hein? C'était bon. Ayo, présent. Juste que personne ne se moque de moi. Songo, calme-toi, mec. Oh non, putain, pas lui, frère. Allez, viens, s'il te plaît. J'en ai rien à foutre, je vais nulle part. Putain, mais. Préfères-tu les arguments forts ou faibles? Frappe-moi avec le plus fort. Peut-être que je ferai rien. Oh, je suis terrifié. Mais lui, il est malade, ce mec. Il est complètement barjot, ce mec. C'est ça prend, frère. Hey, je vais tout prendre. Je dois régénérer mes HP. Du coup, en fait, faut que je leur pète à toute leur nourriture. Y'a rien. Il triche pas, ce bâtard. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux parties. Bah oui. Il triche pas ou il triche bien? Non, ça j'ai déjà fait, du coup c'est l'autre partie. Ok, il y a deux parties. Ah, fils.
depuis. J'avais ce mec là. Il faisait trop le mec bizarre. Il faisait trop le mec bizarre, c'était sûr. Sécurisé. Bonjour monsieur le gardien, c'est bien beau. Monsieur Taour, monsieur Narmen. C'est bon. Y'a rien sur vous. Une lime. Ça c'est sécurisé. Y'a rien. Une autre lime, mais ouais, j'ai préparé la guerre lui. Bon, t'as les prisonniers, ils vont me détester, hein. Parce que je vois, mon respect de la prison, il baisse sa mère. Ça, ça prend. Prends, tu sécurises, là. Ouais, ouais, t'inquiète, c'est ce que je fais, là. Dès que c'est de la graille, je prends. Et tard. Sécurisé. Eh bien, amen. Il y en avait des choses à dire hein, dans cette cellule. Ça, c'est à moi. Un pour la prison, un pour le crâne. Si on voulait quelqu'un, quelque chose à quelqu'un aujourd'hui, fais ce que tu veux, frère. Niski! Non, mais regardez, les mecs comme ça qui sont sérieux, qui sont là à la fouille et tout. À l'appel et tout, il cache des trucs. OMG? RAS? Ah, c'est interdit ça, Niski. J'ai bien peur que ça soit interdit. Merde, James Click. Clean. T'es clean. C'est bien, allez. Allez. Alors comme ça, ça se tue dans la cellule le soir. Contrebande, drogue. Je le savais. J'ai envie de vous dire. Ah, le mec est posé à l'appel, il fait pas un bruit, pas un mot. Tout carré et tout, ouais, pas à moi. Et ok, c'est bon. Alors, je vais le fouiller. Il y a rien. Il dit rien. Nous allons tous mourir, période. Ok. Ah, y a pas tort. Hein. Vas-y, j'ai la flemme. Pourquoi me regardes-tu? Vas-y, commence pas. Maintenant, c'est ton temps libre. Tu peux jouer à des mini-jeux ou réaliser quelques missions secondaires. Lorsque tu remarqueras que quelqu'un a un point d'exclamation au-dessus de sa tête, cela signifie qu'il a une mission à te confier. En accomplissant des missions secondaires, je vais gagner de l'argent ou du respect. Ok. Ok. Ok, donc il y a des mini-jeux. Tu peux remettre ton temps libre en interagissant avec l'un des ponts disponibles. Ok. Tâche accomplie. Temps libre. Personne n'a une quête là? Bah, tout le monde fait que chier, frère. C'est quoi cette prison? Y'a que des gens qui chient. Ils sont tous aux toilettes. Bah. Et cette journée se termine. Oh là, on va jouer aux fléchettes alors. 14 sur 16. Mais les autres, ils sont à l'hôpital, les gars. Wesh, c'est le mitard. Ferme les cellules. Ah non, c'est bon, il y a d'autres prisonniers, frère. Là, il y a un banc.
Et là-bas, il y a les fléchettes. Cette pièce sera débloquée au niveau 6. Ok, chantier. Bienvenue au stand de tir. Ici, tu peux te détendre en t'entraînant à viser. Va au stand sélectionné pour commencer chaque stand. Ok, 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 confirmé. Bon, j'ai compris, frère. Ah mais la sensi elle est trop élevée les gars. On peut pas baisser la sensi? Ah non on peut pas. Frère get wesh ça va trop vite. Eh ouais. Merci. Quoi ça y est c'est fini? Va dans la salle d'examen des colis. Et j'y vais, je bombarde. Eh ouais, j'ai réussi, frère. 87%. Non, mais je vous jure, la sensi, elle est trop élevée dans le jeu de base. C'est pas un FPS, hein. Arrête de fermer derrière toi. Ah ouais, faut pas. Dis-moi de monk. Non, faut pas. C'est bon, range tes mains, frère. Non, vous mentez. Pourquoi ça me dirait faut pas? Ça coûte rien, de toute façon. Routine, la fouille des colis. Ok. Classique, on est au début. Hop. Un colis pour Niski, un colis pour Taour, un colis pour tout le monde. Checked. Wesh frère, c'est dinguerie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Maru? Un livre. Risotto. Waouh, la gueule du risotto. Le risotto là, j'aime pas. Ok. Y'a un truc là, non? Ah, le bâtard va. Risotto. Ouais, j'adore le risotto, frère. De l'anti-zaratonux. C'est autorisé, ça? Ouais. Ah, mais... Ah mais non mais faut dire à ceux qui envoient de vas-y wesh. Eh ben j'espère que c'est pour vendre tout ça parce que wesh tu vois il lui a envoyé de la dinguerie là, ils veulent le tuer frère. OK, ça c'est bon, c'est check. Niski c'est obligé. Les gars, Niski, c'est obligé à de la merde. The boy with the unicorn tattoo. Ok, ok. Non, mais tranquille, tranquille. Des balistos. Oh, Niski. Ah, mais en vrai, ça me nique pas mon respect envers les prisonniers. Parce qu'ils savent pas que c'est moi qui l'a fait quoi, c'est ça? Ah bon.
parti, je pense. Ah non, regardez, ça baisse pas. Là, je suis à 37%. Dave. Imagine, il y a des crayons dedans. Fantasy Story, Georges Marlin. 37%. Dave, c'est un mec clean, les gars. Dave, je pense qu'on n'aura jamais de problème avec lui. Et Balisto. Regardez, Dave, c'est clean, frère. Y'a rien, ce mec, il est clean. Y'a pas de problème avec ce mec. Shooter, ils lui ont mis une cuisse de poulet. Oh, c'est livre, jamais shooter, c'est pas lire, wesh. C'est des ouf. Non, y'a rien, je pense. Eh ben. Qu'est-ce que... Tiens donc. Regardez, je suis toujours à 37% avec les prisonniers. Eh ben. Les gars, c'est mort, y'a rien qui va passer. Moi, je suis intransigeant, je fais mon taf. Et B. Ah merde, viens là, toi. Moi, on peut pas m'acheter. Moi, je suis incorruptible. Personne peut m'avoir. Voilà. Je suis droit. Je suis juste. Et je suis gentil. Et bon. En vrai, le livre, s'il y a rien, c'est bon. Hop, sécurise. Non, mais c'est mignon de tenter, c'est mignon de tenter. Mais si on me dit rien avant, cram, accepte mes colis, quoi, je te paye, bah, j'accepte pas. Il y a rien qui passe, frère. Chocolat blanc, on va se mettre bien. C'est quoi, ça? Couteau. Arrête, je peux les prendre et les vendre, non? Oh, ça veut tuer ici, hein. Oui. C'est pas grave. Tu as terminé toutes tes routines ou réagis aux urgences, rends-toi à la salle de briefing pour terminer la journée. Ok, bon, c'était une première journée. Je pense que j'ai bien fait de mettre le mode si tu meurs, c'est fini. Au moins, je tryhard ma vie dans la game, là. Merde, c'était juste à côté, non? Ok, on découvre le jeu tranquillement. Peut-être ouvrir la map en vrai. Mais putain! T'es en impitoyable, ouais, je suis en impitoyable. Let's go! Oui, monsieur, je suis le premier arrivé! Et alors, prêt pour le rapport du jour? Oui, c'est terminé pour moi aujourd'hui. Let's go! 30$ plus 10$. Respect des gardiens plus 10%. Respect des prisonniers moins 30%. Fuck la prison. Risque d'émeute plus 1%. De toute façon, s'il y a une émeute, c'est pas de ma faute, hein. Moi je fais mon job. Hein. Va chercher les prisonniers au bloc cellulaire. C'est bon, hé. Hey. Je suis un SS de qualité. Il y a une quête. J'ai des affaires à régler, tu peux faire quelque chose pour moi. Voilà, enfin ça commence. Oui, monsieur, je peux vous aider. Ça dépend. J'ai besoin de drogue hier. Ah oui, il est vraiment. Un SS, non, un SS. C'est un garde en arabe, wesh. Waouh, vous êtes bizarres, les gars. Et wesh. C'est ça, trouvez-moi avant vous s'asseoir ce soir, je vous donnerai 280$. Bon, ça. Non, mais un SS, tu vois, t'as capté. Ça veut dire gardien, en fait. C'est pas. Non, mais je suis. Je sais pas comment dire, frère. Ouais, c'est. Non, mais pas gardien de prison, c'est gardien en général, en mode. Un mec qui reste, quoi. Ce que je veux dire, je vais mettre la gratitude gratuitement. Scott Powell.
Scott Powell, c'est le gauche. Il faut que je lui ramène. Il faut que je lui ramène sa dose. 280$, il va me mettre trop bien, frère. Comment c'est loin sa mère, faut que je tape des sprints pour aller faire l'appel. Surveillant, surveillant. Ok. Routine atelier. Pour aller à l'atelier, utilise d'abord le clicker pour sélectionner les détenus avec lesquels vous allez travailler. Les personnes indiquées feront la queue au rassemblement. Choisis les prisonniers qui se rendront à l'atelier. Mais attends, déjà je dois faire Ah mais je dois pas faire l'appel là. Ah ça va. Bibi, toi tu vas venir à l'atelier mais t'es en train de chier là. Si tu veux indiquer le nombre maximum de personnes à faire travailler, choisis la commande follow me. Mon futur s'annonce mal. Bibi, c'est sûr t'as de la drogue toi. Ça je vais pas te contrôler, c'est pas pour toi. Enfin, je vais te contrôler, mais... Des chips à l'oignon, c'est à moi. Ah, mais c'est bon, mais HP, on régène. J'aurais dû lui laisser ses chips, miskin. C'est barbé. Faut de la drogue, The Beast. Pas pour moi, hein. C'est pour vendre. Ouais. Enfin, c'est, pour... c'est même pas pour vendre, c'est parce que mon collègue, il est accro. Voilà, Bibi Chavé, toi t'es un bon. Hop. Merci, UQA. Tu peux trouver des gardes avec un icône œil au-dessus de leur tête. C'est le signe que ces gardes extrêmement attentifs. S'il y a quelque chose d'illégal dans ton équipement et que tu es observé par un garde en alerte, alors une icône de forme point d'interrogation qui deviendra progressivement rouge appellera toute sa tête. Tu ne disparais pas de sa vue, l'icône du point de vue funéraire pour se transformer en point d'exclamation et le garde t'accostera et ordonnera une fouille. Ah ouais, je peux me faire, je peux me faire cramer de baisers. Vas-y, on va aller à l'atelier vite fait, bien fait là. Toi, t'as été clean, tu vas travailler. Après, arrête de me suivre, toi, wesh, on n'est pas parti encore. On mène les prisonniers à l'atelier. Déjà ? Bon, mais j'en ai qu'un. Cruauté envers les chiens ? Oh, abuse. Bon, vas-y, on y va. Pachi déteste shooter. Voilà. Il est où, wesh? Complètement craqué, là. Dis-lui de venir. Père, je vais tout seul à l'atelier. C'est bon, je vais travailler pour eux, moi. Tu es pressé? Il est où Scott Powell? J'ai besoin de lui. Je peux pas cacher ce que j'ai volé. Oh putain. Oh putain de merde. Oh, can me hard. Tu n'as rien à faire. Mais je me suis perdu sa mère. J'étais persuadé que j'étais au bon endroit. C'est monsieur Scott Powell. Eh tiens, prends ta merde, prends ta merde. Comme quoi? L'argent, wesh.
C'était pas 140, c'était 280 $. La vie de Bacati. C'était pute, va. Hey, Scott, fais le malin. Fais le malin. Prends-le et lâche-moi. Hey, je vais te poucave. Je vais te poucave. Je vais dire que tu consommes. De toute façon, je suis un policier, je suis con, moi, y a pas besoin de cave. Salle de briefing. Mais j'ai un problème là. Elle est où la... Attendez, elle est où la salle de la prison en fait? Salle de fouille. Il va te poucave en retour. Ah, moi j'ai rien fait de mal, frère. À gauche, couloir de la mort, infirmerie. Tout droit, bâtiment de prison. Ok, c'est bon, c'est inscrit. Mais le problème, c'est que j'ai pu prendre qu'un seul prisonnier. Prisonnier, on rentre. Faut cliquer pour en prendre plusieurs. Mais non, parce que là, la tâche, c'est emmener les prisonniers. Vas-y, viens, viens, bombarde. Allez, viens, Bibi, je te fais bosser. Faut 5 gars. J'en emmène un et après, j'emmène les autres, au pire. C'est bon, je t'en ai ramené un, là. Moi j'en ai ramené un, ils peuvent pas se battre. Hein. J'ai un bibi en marqué. Ingugu Masanatan. En Amandi. Elle a travaillé. Ah, j'ai glitch le jeu, frère. J'ai glitch le jeu de fou. Allez, travaille, Bibi, c'est bien. Mais ouais, ils sont tous dépressifs ici. Mais vas-y, vas-y, accélère, frère, travaille, je m'en bats les couilles de ta vie, moi. Je te le dis, frère. Et pas braquer des banques! Oh! Non, bande de chiens, c'est vous, ça c'est. Ça c'est vous, ça. C'est bon, vous allez mettre des incendies tout le temps? Oh, je pense que c'est juste. Accélère! Oh! Heureusement, j'en ai ramené un. Sinon, ça allait être la guerre. Mais accélère, abuse Bibi, wesh. Je vais m'endormir avec ces coups de marteau. Routine atelier. Les prisonniers doivent travailler pendant une période déterminée. Mais s'ils travaillent plus longtemps, là... Ok. Vas-y, on va faire gagner plus d'argent pour la prison. Mais wesh! Bibi! Bande de fils de pute, ça fait tuer Bibi! Wesh! Allez, bâtard! Non, Bibi, c'est pas moi! Hein. Vas-y, on va faire un peu de muscu.
Je sens que je vais devoir me battre bientôt. Eh, je fais que de la muscu maintenant. Oh, ils l'ont allumé sa mère. Ça va, il est pas mort, il est pas mort. J'ai pu le sauver, je l'ai sauvé. Heureusement d'ailleurs. C'est qui lui? Ah mais c'est pas des prisonniers. Comment jouer? Appuie alternativement gauche droite. Hein? Faut pas faire gauche droite là? Ah mais les flèches, ok, je suis con. Je faisais QD moi. Ah, je dois attendre que ça redescende. Mais vas-y, c'est bon frère. Ralentis la descente. C'est la dernière, allez. J'ai menti, plus qu'une. Oh, let's go. Plus 20 d'endurance. Oh, je vais faire que ça, je vais avoir full endurance sa mère. Je vais être le... Oh là là, je vais être trop stock, personne va jamais me chercher les dénoises. Ok, salle de fouille, let's go. Hein? Salle de fouille, mais rien à fouiller, frère. Va au bureau. Mais quoi? Ah, ok, c'est ici le bureau. Bonjour, qui est-ce qu'on a là? Léo Palmer, t'es qui toi? Ah. Fouille le prisonnier. Ah, c'est un nouvel arrivant! Ici, on volait quelques... Vérifie les documents et tamponne-les en conséquence. Wouah, je comprends rien sa mère. Bonjour. Hein? Vérifie la conformité des empreintes digitales avec la feuille de contrôle. C'est bon, c'est les mêmes, frère. Vérifie l'exactitude des données du nom sur les feuilles d'empreintes digitales. Léo Palmer. Vérifie si le numéro d'identification est correct sur les feuilles d'empreintes digitales. 95-70. It's I. C'est valide! Garde, c'est bon! Putain, mais je fais ça, mais trop bien, par contre, c'est bizarre là. La date. Merde, je me suis trompé? Vous êtes sûr qu'il faut pas fermer derrière soi, hein? Oh non, putain, la salle de briefing, c'est où déjà? C'est là. Non, là, c'est la cour de prison. C'est là. Ah, c'est là. Oh, mon sens de l'orientation. Salut chef, j'ai fait une très belle journée aujourd'hui, Barry Scott. Et alors, prêt pour le rapport du jour? Oui, je suis prêt. Il faut me payer là. Parle au garde. Premièrement, je pense que tu es prêt à apprendre quelques trucs de tes collègues plus âgés. Parle avec Alexandre Davis. Pendant votre temps libre, tu peux le trouver dans la salle sociale, il te dira le reste.
Merde, j'ai skip, je sais pas de quoi il me parle. Il déteste Aour. Moi, je déteste qui, moi? Mais moi, j'aimais bien travailler comme ça, après, il me casse les couilles. Bonjour, pourquoi es-tu si tendu? Tu ne risques rien avec moi. Je ne veux pas te virer. D'une certaine manière, je veux t'offrir une promotion. Je vois que tu te débrouilles bien, alors j'ai une nouvelle mission pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Cela implique-t-il une augmentation? Bien sûr. Bien, pour en venir au fait, malheureusement, je n'ai pas le temps d'acheter des fournitures, des équipements et des nouvelles installations pour notre établissement. Ainsi, à partir de maintenant, tu auras accès à mon ordinateur et tu pourras acheter des équipements. T'inquiète pas pour ça. Je te confierai une partie du budget. Et ne dépense pas tout en un jour. Je t'ai créé un profil séparé sur mon ordinateur. Tu peux l'utiliser pendant les pauses, même si je suis au bureau. Je l'utilise surtout le soir. Je veux que tu fasses autre chose pour moi. Aujourd'hui, les gardes me fourniront les demandes, requêtes et plaintes des prisonniers de chaque bâtiment. Mon travail sera de les examiner et de les estamper. Rouge signifie rejeté et vert connu. Je te laisserai des instructions et je t'enverrai des directives s'il y en a. Mais je dois faire son travail en fait là. Merci Acnologia pour les 7 mois. Bien sûr, je ne t'oblige pas à imiter ma signature. Quand tu auras fini les documents, je les signerai pendant mon temps libre. J'allais oublier, notre prison est maintenant sur la liste des 20 meilleurs établissements pénitentiaires de notre état. Plus on est proche du sommet, plus on reçoit de l'argent, des donations. La satisfaction générale, ou comme nous l'appelons, le respect mutuel des gardiens et des prisonniers. Plus le niveau général est élevé, mieux notre prison est placée dans le classement. Oui, monsieur. Ouais, y en a des trucs à faire, hein. Ah, je peux m'acheter des vrais trucs à moi, ok. Comme les stands d'atelier te font gagner plus d'argent, garde ceci à l'esprit. Dans l'onglet à côté de la boutique, il y a la liste des 20 meilleurs établissements. Le respect qui s'affiche dans le coin inférieur de toute valeur individuelle. Tu gagnes du respect individuellement pour chaque personnage et pour tout le monde. En général, ça, le respect individuel est déterminé par ton attitude envers les autres. Ok. Liste des 20 meilleures prisons de l'État. Waouh, on est 20e, Cram River. On peut gagner trop de places dans la première ligue des prisons. Magasin, douche. Ah, il faut être niveau 7. Mais je peux rien acheter en fait pour l'instant. Je peux acheter un taser. Ah, je peux acheter un pistolet. Ouais, de toute façon, je peux rien acheter. Je suis trop bas level. Faut que je monte au moins niveau 4. Parle au gardien dans la salle de repos. Temps libre, salle sociale. Ici, vous et vos amis pouvez vous reposer. Ah, c'est là les fléchettes, ok. Ah, mais je peux pas faire de fléchettes encore. Bonjour, Richard Davis. On m'a dit que je devais te parler. Oh, come on.
Les points de compétence, c'est de l'argent. Ok, lui, il peut nous faire... Il peut nous aider, lui. Tu ne pensais pas que je dévoilerais nos secrets gratuitement? Ok. Ok, donc si je veux level up, faut payer et venir le voir. Ok. Il est incroyable, le jeu. La première est offerte, elle ne coûte qu'un point de compétence. Oh, come on. Tu verras. Ok. Je peux acheter n'importe laquelle. Argent requis. Ah non, ok, plus tu descends, plus c'est. T'as un passif. Increase maximum HP by 500, ok. La fouille des prisonniers et des cellules est plus rapide de 25%. Tu as plus de chances d'intimider un prisonnier pour qu'il agisse comme tu le souhaites. Merde, ok. Bah en vrai ça c'est broken déjà. Augmente la défense du joueur de 10%, augmente les dégâts du bâton de 10%, réduit les chances de détection par 5. Augmente l'endurance de 100. Ah ouais, c'est broken pour augmenter l'endurance. Je pense passif c'est trop lourd. Hein. Actif. Vous pouvez échanger avec les détenus. Toute personne prête à acheter, vendre une icône, ok. Nombre de détenus prêts à échanger, hein. Ok. Niveau recrit, ça c'est pour les pots de vin, œil de lynx. Vous êtes en mesure de comparer diverses données suspectes. Appuyez sur... Oh, ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air pas mal du tout ça, non? Après, ça donne quoi? Tu peux dire que quand quelque chose ne va pas, il suffit de jeter un coup d'œil à certains endroits d'une cellule pour savoir si quelque chose s'y cache. Oh! Je pense déjà on va prendre confiance. J'ai compris. Oh non, pas les colis. J'étais bien ici, je voulais jouer aux fléchettes moi. Mais je voulais jouer aux fléchettes. Qui lui frère? Bonjour monsieur. Alors son dossier. Bruce Zuckerstein. Bruce Zuckerstein. Stein. Ok. Empreinte. C'est similaire. Ok, et c'est quoi le numéro? 55 89 26. Mais attends, c'est pas la... Ah mais non, ça c'est... Ok, c'est pas la date, de naissance, ok. Oh c'est bon, c'est bon. C'est validé. Bienvenue en prison. Merde. Objet autorisé, lunettes et ton. Ouais, bah c'est bon. Mais quel jour? Ah, je dois le fouiller. Un gâteau au caramel. Je te le laisse. Bonjour, monsieur le gardien. Appelle le gardien par le microphone. C'est bon! Putain, je me suis trompé, sa mère! C'est tout? Oh, MJ, je vais jouer aux fléchettes, moi. J'en ai rien à foutre du reste. Mais je me suis trompé sur quoi? Il avait le bon numéro, il avait les bonnes empreintes. Ça doit être les empreintes, je pense. Oh, on peut parier? Je connais plusieurs variantes de jeux, tu veux essayer? Baseball, golf? Score élevé, Shanghai. Attends, c'est quoi ça? Baseball, golf? Baseball?
vidas, Tomitafa. Et là, on va jouer au baseball. Eh, j'ai rien compris, nique sa mère. Oh putain de merde. Mais faut que je vise quoi, wesh? Il a raté. Ok, un point. Deux points. Mais je croyais on joue au... Ah, faut viser le 2 maintenant, ok. Ta mère! Faut que je vise le 3 maintenant, ok. 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 Let's go! Fils de pute. Attends, mais je dois viser le truc rouge? Je comprends rien. Le 4. Mais pourquoi j'ai pas parfait, moi? Je pense ça, là. Tu vois ça, là? Je dois le viser, ça. Fais chier! Non, là j'avais parfait là. Ok, ok. Ah mais il prend aucun risque, c'est une salope. Bah ouais, c'est là le triple, c'est ça le triple normalement. Mais là je suis sur le triple là, abuse pas, arrête de mentir. Parfait. Ok, OMG. Oh le bâtard. Raté. Je peux comeback ou pas? Ou c'est mort là? Je crois que je peux comeback en vrai. Fils de pute. Fils de chien. FF. Ok, 7. Ta mère. Parfait. Parfait. Ok, je suis en train de combattre ça, mais raté, raté, rate encore. Ok, 23, 8. Non mais oui, mais c'est pas ça les règles des fléchettes, frère. Je connais moi les règles des fléchettes. Wow, c'est dedans, frère. Ta mère Mais il prend aucun risque, ça me dégoûte de jouer contre un mec comme ça. Mais c'est tu, monsieur l'arbitre ? Go rejouer, frère. 301. $50. Ah, rends-moi mes 50 balles, c'est bon. Maintenant, je vais te fumer, s'il te plaît. Mais moi, je pensais qu'on allait jouer au baseball déjà. 301, c'est simple, faut enlever 301 points, c'est tout. Bonne chance. Putain de merde. 0. Ok, 50. Fais chier! Let's go, 101. 15. 45. Ok. Attendez, si je fais 60 là. Merde, j'ai raté. Bon, c'est pas grave. Là, je fais 60 et 21. Ok, et là, je fais 60 et ça me fait 1. Réussis pas, s'il te plaît. Il a raté? Il a 1. Il a troll. Il aurait pu faire 20, non?
Dommage, frérot, dommage. Il m'a suffi d'une game pour le déchirer, c'est bon maintenant. Pour me faire 50 balles tous les jours, gratos. Dans la cour de Brisson, ta tâche principale consiste à rechercher des situations suspectes et à agir en conséquence. Avertissement, usage de force directe, sanctions disciplinaires. Ok, chef, prête attention aux comportements inappropriés et aux autres infractions comme le fait de se faufiler, de se battre, d'avoir des discussions suspectes, de détruire des biens ou bien d'uriner. Si c'est assez calme, tu peux te détendre, mais il y a une chance que tu ne remarques pas les mauvaises situations. Fais attention à l'heure. Afin de déterminer la routine correctement, tu dois laisser les prisonniers à l'extérieur pendant le temps minimum. Si tu leur permets de rester plus longtemps, ton niveau de respect augmentera. Ok, vas-y, je vais les... Ils sont en prison. C'est le moment où ils peuvent se défouler, etc. Allez, avancez, 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 avancez. Rallye, crime, courir nu dans un lieu public. Veille à l'ordre. Pourquoi il est vert lui? Ah, c'est pour jouer. Ok. Hey! 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 Parti! Merde, je fais plus de la touche. Vas-y, nique sa mère, on l'attrape à deux. Ouais, c'est bien. Bien joué, bien joué. Je sais pas c'est qui mon gars qui l'a niqué sa mère avec moi. Allez. Ah, il a baisé sa mère. C'est Marou. Oh, trop mon pote Marou. Oh, le niveau au basket. Mais frère, y a pas de problème là. C'est bon, c'est calme. Oh, come on, my friend. Amin, il a tout qu'il man. Ok. Non, j'ai plus de balles. Non, ok, c'est bon, heureusement ça arrive pas. Vas-y, casse-toi, frère. Faut juste que je comprenne. Non. Vas-y, poussez-vous, ouais, je joue là, frère. Routine, cours de prison. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, je les laisse un peu rester encore plus. Guettez les gars, d'ici. Du parking. Putain de merde. Qu'est-ce que tu fais, fils de pute de... Mais KZ ! Hey ! Non mais attends, attends, ils sont en train de me taper, Ouais, ils m'ont sauté dessus, ces bâtards, ils m'ont déchiré. Ouais, chez les policiers, aidez-moi vos grands-mères. Ils vont me tuer. Comment on se fait? Eh, Sif! Ah! Eh! Arrête, hein! Arrête, Zogo! Imbécile, va! Ça y est, tout le monde rentre! Dis-ta, Maracati? Comment vous faites, Dinar?
Ah, ton livre. Moi, j'ai eu chaud sa mère. Putain, j'ai 17%. J'ai perdu tellement de respect des gardes. Mais pourquoi? Et pour le match, combien on parie? Cette fois, vas-y, $55. Ok, ça part. Et 2-1. Ou non? Deux. 37 secondes, vite, vite, vite. 13. Putain! Le buzzer beater! Le buzzer beater! Let's go! Oh, le buzzer beater, t'es allé fou! Oh là là, la dinguerie! $55, j'ai récupéré mon oseille. Mais par contre, les gars, ouais, j'ai raté une mission, regardez le pourcentage! Ça rend combien d'HP? Bah, je veux bien en acheter un, comment je fais? On va comme ça. Ah ouais, non, je me suis déraillé. En fait, ils m'ont tapé pendant que j'étais en discussion, ça m'a niqué ma vie. Mais je pense qu'il faut que je spamme la muscu, comme ça j'ai full endurance. Je peux courir partout. Je peux spam les coups. Ah non, mais c'est quoi ce travail? Je fais pas ça, moi, j'ai la flemme. Hein. J'ai vérifié tous les dossiers, là. Ouais, il me faudra son mot de passe. Le jeu est lourd, il est incroyablement. Les prisonniers condamnés pour homicide ont besoin de la recommandation d'un gardien et d'un rapport de santé mentale certifié pour obtenir un laissez-passer. Ok. Les informations de... Ouais, c'est trop compliqué là, par contre. Les informations de base sur le détenu fournies avec sa demande obligatoire. Eh, je vais tout valider, dit que ça verre, mais j'ai trop perdu de respect là. Les demandes de laissez-passer nécessitent un permis de visite, examiner les accords de pardon en même temps que la lettre du président dont ils sont accompagnés. Toutes les demandes doivent avoir un cachet valable ainsi que la signature des personnes qui les ont émises. Ok. Prénom Cory Bundy, numéro 667-696, unité A. Longueur de la sentence de crime, possession de jeux provenant d'une source illégale. C'est juste un geek quoi. Je voudrais attirer votre attention sur la qualité des repas délivrés dans notre cuisine. Je vous demande pardon, mais même un chien affamé n'y toucherait pas. Et il nous donne ça 3 fois par jour. S'il vous plaît, si vous ne me croyez pas, essayez vous-même. S'il vous plaît, changez de fournisseur. Et comment je vérifie, moi? Bah là c'est bon, là c'est validé en vrai. C'est la même signature que le mec qui gère le truc A. Ah ouais, faut check le cachet aussi, ok.
Au final, j'en ai rien à foutre de ce qu'il raconte. Signature du gardien, ok, c'est bon la signature, Victory. Caché de la prison. Il a signé une croix, Zarma. Je demande gentiment que des nouveaux livres cruauté envers les chats. Ah, sacré timing. Je suis très curieux de savoir si Isora se rend compte que Francesco la trompe. Mais vas-y, il nous raconte son histoire de son livre. En plus, il m'a spoil. J'espère que malgré le potentiel spoiler, vous considérez ma demande de manière positive. Ouais, en vrai, c'est bon. Hein. Il y a pas d'erreur dans son dossier. Wesh. Mais en fait, le truc, il est ambié, mais c'est juste qu'il est mal... Il est mal fait, hein. Laissez passer. J'ai été bien ces derniers mois. On pourrait dire que je suis un détenu modèle, car même le gardien le dit. Je vous demande de me libérer pour 3 jours afin de voir ma famille. Cela fait longtemps que je les ai pas vus. Surtout mes enfants, les petits seront heureux de voir leur vieux père. La participant à des viols rituels collectifs? Non, non, c'est mort, tu vas rien visiter, toi. Désolé, refusé. Vol avec agression dont l'issue est fatale. Le C, signature du bâtiment C, John Travolta. Veuillez fournir à la cuisine de la prison davantage de légumes et de tofu, car la variété actuelle des repas est trop faible pour une personne suivant un régime végétalien. Il n'y a que des pommes de terre et de la laitue. Et pourquoi il signe un doigt d'honneur alors, frère? C'est pas bon. Ah si, c'est bon, frère. Je vois pas de problème dans son truc. Hein. Si vous voulez du tofu, je m'en bats les couilles, moi. Crimes fiscaux. Mettez-moi dans un autre bloc ou au moins une autre cellule, parce que ce fils de pute dans la cellule d'à côté ronfle comme je ne sais pas quoi et je ne dors pas à cause de lui. Je ne l'ai pas encore frappé dans la bouche parce que vous allez me mettre à l'isolement pour ça. Au moins, enlevez-moi ça. John Travolta. Là, c'est pas la bonne signature. Il a essayé de douiller ce bâtard. Allez, problème de sommeil pour toi. Un problème de sommeil pour toi, moins 6%. Ah non, mais je suis toujours pas à niveau 4, ça sert à rien. Frère, il est trop complet le jeu. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que vas-y, il y a beaucoup de choses à faire quoi. Et le truc, c'est que j'ai l'épée de Damoclès que si je meurs, bah j'ai perdu la game quoi. Perdu moins 24%, oh la dinguerie, risque d'émeute. Oh merde, putain. Fais chier. Ça arrive, crame. Mais ils vont me tuer aujourd'hui, ça. Ils vont vraiment me la mettre ce soir. Y'a tout le monde qui me déteste et les gardes. Oh non, putain. C'est un jeu d'horreur maintenant? Je peux vérifier. C'est moi, je vais vérifier Miguel. J'ai une lampe de poche? J'ai pas de lampe de poche, vos grand-mères.
Ouais, Miguel, il manque deux fusibles. Niski, du bâtiment B, est absent. Fils de pute de Niski. Vérifie la cour de prison, la sortie principale et la salle de fouille. Il va probablement essayer de s'échapper. Fils de pute de Niski, tu veux t'échapper? Je vais t'envoyer à l'infirmerie pendant un mois, frère. Et les autres gardiens, ils servent à quoi? Il est là, ce fils de pute. Rends-moi les fusibles. Je devais essayer, je ne suis pas en sécurité ici. Aucun d'entre vous ne peut me protéger. C'est la dernière personne qui peut m'aider, le directeur. Eh bien, intéressant, je vais retourner dans ta cellule maintenant. Mais avant, je vais te fouiller. Le deuxième? Oui, j'en ai deux. J'en avais deux. Il a dû tomber de ma poche. Ne me frappe pas, je te dis la vérité. Ça peut être dans le hall, l'atelier ou la cantine. Non, j'ai seulement pris un peu de nourriture. Je vais t'allumer ta mère, Niski. Hein. Accélère. Voilà, il est obligé de me suivre. Putain, ça veut dire que je vais devoir chercher le fusible après. C'est le chat qui a fait ça ou c'est le jeu de base? Vas-y, plus vite, frère. Allez, rentre dans ta cellule. Putain de gardien. Eh, rentre dans ta cellule. Pour la peine, c'est une fouille. Ah, j'ai pas le temps. Vas-y, frère, nique ta mère, Niski. Regarde où je dois aller maintenant. Ça veut dire qu'il est pas là? Putain, le bâtard. Mais vas-y, non mais... Par contre, genre les fusibles de toute la prison, ils sont là! Mais c'est qui a fait ça? C'est un idiot! De toute façon, Niski, je vais te faire tuer, je pense. Je vais aller voir les autres prisonniers, je vais mettre une prime sur ta tête. 200 balles, celui qui tue. Je t'apprends à mal parler, frère. Ah non, là, c'est bon, là, t'es mon ennemi juré. Ah, t'es mon ennemi juré, je vais te tuer. Ah, je vais dire aux autres prisonniers de t'allumer. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, mais regarde ce que je dois faire, là. Regarde ce que je dois faire. Ils vont t'allumer. C'est pas dans la cantine. Mais attends, mais dans la... Ouais, j'ai tout vérifié dans l'atelier, wesh. Je suis con. Wesh, la cuisine, j'ai mis un pas, ça s'est annulé. Fouille. Bah, si ça s'est pas enlevé l'atelier, c'est qu'il est dans l'atelier. Ça veut dire que je dois tout fouiller là, putain.
Je le déteste, Niski. Ah, si c'est vous le chat qui avez fait ça, vous êtes démerdé. Mais niqué ma vie, j'étais trop bien, moi. Bah, y'a pas, wesh. C'est pas là, du coup. Ah, j'ai tout fouillé, là. Vas-y, je vais aller à l'infirmerie. Si ça se barre, c'est que c'est pas à l'infirmerie. Centre de tir. Infirmerie. Je peux pas péter les cigarettes. Non, c'est pas à l'infirmerie. C'est à l'atelier. Vas-y, vas-y, s'il vous plaît. Ah, je trouve pas sa grand-mère, je trouve pas. Ah, mais il est là. Mettre dans un ordre précis. 1, 2, 3 et 4. Ah, ok, désolé. Et ça, c'est pour le 2. Ça, c'est pour le 3. Wouah, Niski, t'es foutu, tu vas prendre 100 points, frère. Je vais faire en sorte que tu prennes perpète. Monsieur le directeur, je vais faire un rapport salé. Hein. Agression sur agent, insulte. Oh là là, t'es finito. Oh, t'es finito. Ah, je vais prendre perpète. Patron, c'est Niski du bâtiment B qui est à l'origine. C'est lui, c'est Niski. Merci à Econi. Il va prendre des années supplémentaires. Sou Tu vas croupir là-bas, clochard. Ah, j'ai fait un tour sur moi-même là, non? Ah, on a level up un peu. Plus 1%. On avance. On avance. Ok, et ça commence par les colis. Va à l'accueil pour commencer ta routine. Ok, cette fois je me trompe pas, je me trompe plus jamais. Bonjour monsieur. Ta gueule! Albert Palmer. 305-779. C'est bon, c'est good. On fouille. Non, pitié, ce n'est rien de spécial.
Je ne peux pas vivre sans. Écoute-moi bien, tu vas vivre sans, poteau. Pas question, je le confisque, fin de l'histoire. Pas question. Je ne sais pas combien donnes-tu. Les gars, la date de naissance, c'est pas la date d'entrée en prison. C'est bon, poteau, tu peux y aller. Faut pas abuser, frère. J'espère que t'as qu'un seul truc mauvais. Hein. Les gars, il y a un truc sur la lunette là, je suis pas fou. Il a réussi à mettre un joint. Ah non, c'est une aiguille. Frère, je te prends un petit truc, je te laisse un petit truc, frère. J'ai déjà fouillé. C'est bon. Frère, j'ai envie d'aller à la salle. J'ai envie d'aller à la salle, les gars. L'intérieur du bouchon. Est-ce pas grave au pire, de toute façon. C'est quoi lui? Non, faut que j'augmente mon endurance, les gars. Faut que j'augmente mon endurance. Attends, lui il veut jouer en même temps. Je peux augmenter mon endurance et jouer en même temps? Avec toi? Je ne le pensais pas, je pense au pari. Soulever la barre, attends. Quelles sont les conditions du pari? On ne pense pas que tu vas soulever cette barre 15 fois en 60 secondes. 15 reps en 60 secondes? $50. Allez. Je suis concentré, les gars. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, c'est les dernières. 12, 13. 14. Let's go, paye. Paye, bouffon. C'est bien. Let's go, la team. Let's go! Yes, sir! Mais les gars, le respect, il est trop faible. Ouais, c'est trop long de réaugmenter. J'ai raté une fois, mais ça paye pas autant. Hein. Ok, c'est les colis. Je crois qu'il faut que je parle plus aux prisonniers, mais je les vois jamais. Contrebande, sécurise. Wesh, ils lui ont donné un shampoing sale. Je flippe des colis. Ah, je crois qu'il y a un autre truc, hein. Les gars, je suis en full speedrun, sa mère. C'est qui ça lui? C'est un bon lui. Marou, on t'a rien envoyé de bizarre, c'est bien. Ok, c'est qui ça? C'est Zongo, je crois. Zongo, toi par contre. Mais c'est un bug ou il y avait un truc?
Non, ça a l'air clean. Et B, tu sais, il y a beaucoup à graille là-dedans. Je sais pas ouvrir ça. C'est bon. Ils m'ont juste mis une petite dose à Zongo. C'est géré. Et ben, je sais pas c'est qui lui, mais il y a de la graille. Hein. Et pas que, les amis, pas que. C'est sûr, quoi. Il y avait plein de grailles comme ça, c'est sûr. C'est 5%. Oh, c'est pas mal. 5%, c'est pas mal. Est-ce que pendant le temps libre, je peux pas aller parler aux prisonniers plutôt? Faire des quêtes secondaires et tout. Endurance. Ah, mais je suis trop loin là. En vrai, je suis trop loin. Putain, mais je suis revenu à l'endroit où j'étais. Ok, c'est là-bas. C'est bon, temps libre. Ah, mais arrêtez de foutre de ma gueule, les gars. C'est dur, c'est pas facile. C'est pas facile, les gars, arrêtez. Ouais, Bibi. Connard, pourquoi, wesh? Je vais faire un peu d'argent, ouais, qu'est-ce qui se passe? Bibi, les potes avec Taour, Koli. Prenez la marchandise, donnez-lui ça. S'il n'a pas le temps, je recevrai un coup de pied dans les couilles, je ne t'épargnerai pas. N'essaie pas de me rouler dans la farine. T'inquiète, moi je veux juste de l'argent. De prendre ton argent chez Taour. Ok, Bibi. Mais il est où, Taour? Taour en train de chier? Ah, je mon pote. Oui, oui, ici vous avez une part pour Bibi. $20. Merde, je suis trop con, j'ai pas choisi le prix. Oh, je suis trop con. Bah, c'est pas grave, je me suis fait baiser. Ouais, Bibi, c'est réglé. La vie de Bacati. Desse la pata. Ok, on augmente le respect. Bravo, bravo. Par contre, arrête de pisser quand je te parle, frère. La vie de Bacati. Ok, c'est broken les quêtes secondaires, wesh. Ouais. C'est broken, je vais me faire trop respecter. Shooter, je crois, il a un plan thune, les gars. Ouais, shooter. On peut. Ah non, oh, il vend. Ben, ok, yeah. Montre-moi la marchandise. Ok, rien de spécial. Rien. Zongo, toi, c'est sûr, t'as des trucs. Quoi. Toi, t'as reçu trop de trucs dans tes colis. Bouge pas. Rien. Wesh, ça augmente de 0,02, frère. Ok, c'est cool. Oh, come on, my friend, then. Ok, c'est à lui, c'est bon. Les gars, je fouille qui? Niski, mais oui, fils de pute. Non, ça c'est Taour. Niski, c'est sûr. Pousse-toi, frère. Toi, je vais te tuer, toi.
Eh oui. Et là, je peux refaire et relaisser ou pas? Et du coup, j'ai pris l'XP là. Je peux prendre après du coup? Miski, toi, je vais te niquer ta vie, mec. Non, mais attends, Rikuto. Fais attention à ton cul, ta gueule à fou, tu vas rien avoir chez toi. Eh, je m'en fous, je vérifie les toilettes, c'est sûr, il a des trucs. Les gars, il a trop de trucs illégaux, ce mec. Fadista, Nikatata. Donne ça, frère, tu chieras après. Fadistiretapa. Non, pitié, ce n'est rien de spécial, mais je ne peux pas vivre sans. La bido makati. Peux-tu baisser un peu ton prix? Ok. Desde la pata. Tisto mitema, si tu. Digasta, notitu. Mais putain, mais j'ai niqué mon respect avec Miski. Wesh, période, toi t'es bizarre. Wesh, wesh, wesh! Eh, hey, pousse-toi ton lit, frère. Je peux pas le réveiller. C'est sûr, il y a un truc dans son lit, les gars. De toute façon, c'est bientôt fini pour lui. Il faut. Vas-y, lève-toi, frère. On est quel jour? Vas-y, lève-toi, frère, lève-toi! Je reviendrai après, il cache un truc dans son lit. À mort. Clean. Ouais, on peut pas vérifier derrière le poster s'il y a un bail. Sécuriser ça. Ah ouais, hein. Wesh, ils ont tous de la drogue. Ok, voilà. Ça, c'est tu veux acheter quelque chose ou vendre quelque chose? Les aiguilles sont interdites, elles peuvent être utilisées pour s'échapper ou servir d'arme. Bah, ça me sert à rien d'acheter. Okay. Moi ça me sert à rien pour l'instant en tout cas. Bon vas-y c'est bon, j'ai fait les quêtes. Ah c'est vrai, maintenant que je sais qu'il a un truc, ça veut dire que si je le fouille et que je trouve son aiguille, je peux le... Tu peux vendre l'illégal. Ah, j'ai des cigarettes. J'ai le droit d'avoir fait des cigarettes en tant que gardien de prison, non? Je vais faire de la muscu. Je fais de la muscu comme ça, j'augmente mon endurance et je finis la journée. De toute façon, faut que je continue d'avancer dans les journées. Comme ça, ça va me mettre bien. Attends, je crois que je peux améliorer mes compétences de combat. Mais non, je vais pas me battre, ça a pas de sens, frère. Ça a pas de sens. Juste, c'est long, sa mère, la muscu. Wesh, 14 reps, frère, abuse. Il pense que quelqu'un s'est chié dessus. Après, je suis en niveau impitoyable, c'est peut-être pour ça. C'est dur un peu.
C'est broken quand même. Là, j'ai un nouveau point de compétence, j'ai de l'argent. On va chercher les prisonniers au bloc cellulaire. Bon, on fait bosser qui aujourd'hui? Non mais en gros, au lieu de faire sécuriser à chaque fois, tu devrais garder pour toi et revendre après, ça fait plus de thunes. Non, ça fait pas de thunes en fait. Si je garde pour moi... Enfin, ça fait des thunes, mais les thunes me servent à rien. Et ça fait pas de respect de garder pour moi-même. Niski, non, non, Niski, il a... Niski, il bouge pas de sa cellule, frère. Bibi, la fois, il a bossé. Dav, il mérite, Dav. Pachi, nique ta mère, lui, casse les couilles, frère. Étoile, je veux pas de lui. C'est quoi, Zongo, tu vas bosser. Rally, tu vas bosser. T'apprendre à chier. Taouk, tu vas bosser aussi. Et Périodes. Oh, pas tes vieux, tu vas pas bosser, frère. On y va, suivez-moi. C'est bon, maintenant je suis ferme. Allez, on y va, venez, venez, venez. Allez, 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 au pas de course. Allez, 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 allez. Ils vont bosser à la mort, ils vont rapporter trop d'argent à la prison. C'est vrai, c'est quand on va se faire augmenter. Eh, hey, viens là, toi. Alors, Dav, tu vas avoir le marteau. Je peux pas lui donner? Je ferais mieux de partir. Ah, je suis con, ok. Ok, donne des outils aux prisonniers. Ok, Dav, tu vas prendre le marteau. Zongo, tu vas prendre le tournevis. Bougez-vous, bougez-vous, on a du travail à faire. Tiens, prends la clé à molette. Daour, toi tu vas prendre un couteau. Et le vieux, tu vas prendre un fichier. Allez, 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 on bosse, allez. Oh, come on, he trained then. I mean, he died to kill man. Hey, 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 hey. Mais laisse Dav tranquille, Rally, wesh. Idiot, va. Là, ça bosse. Il est complètement fou, Rally. Oh, boss, wesh! Pour un putain de bourdon. Vas-y, vas-y, fais une petite pause, au calme, au calme, au calme, Tao. On fait du business ensemble, je peux pas trop t'aider. J'aime bien, j'aime bien. Allez, on continue, on continue, on continue, Zabi. Dav, il est dans le clan pistache. Rally, il est dans le clan des puants. C'est bon, ça bosse. Zongo, il est dans le clan pistache. Oh non, putain de merde, arrêtez de faire ça à chaque fois! Rally, fils de pute. Travaille, wesh, travaille, Rally! Ah!
Quoi? Moi? Rien. Oui, immédiatement. C'est bien, remets-toi au travail avant que je te casse la gueule. Hey, Dav, Dav, wesh. Je me suis coupé le doigt. Tu mérites une pause, Dav, tu mérites, tu mérites. Donc j'augmente un peu le respect. Wesh! Je lui ai dit de faire une pause, il est mort! Eh, bossez, bossez, bossez. C'est bon, il bosse, il bosse. Wesh, période, c'est un charbonneur. Eros, je vais le permapprendre au boulot. Eh, hey, lâche-le. Oh, qu'est-ce que tu fais, frère? Qu'est-ce que tu fais, imbécile, va? Je pense que j'ai des problèmes de vue. Wesh! Oh, vas-y, on tape Zongo. Maintenant, on tape le vieux de merde. Wesh, le policier il m'a tapé, il m'a mis trop loin HP, frère. C'est bon, frère, on arrête, on arrête. Rassemblement, rassemblement. Wouah, j'ai failli mourir, sa grand-mère. Oh putain. Ok. Tu l'as dans la main, l'outil. Ok, c'est bon. On a fini. Rends les outils. Donnez-moi les outils, bande de con. Ok. Parce que tu décides de garder la contrebande pour toi alors que tu es surveillé par un garde, cela se terminerait par une discussion désagréable. Ok, là je suis pas vu là, là je peux pas vu. Ok, allez, on rentre. Allez, plus vite que ça, plus vite que ça. Je suis tellement low HP, sa mère, faut que je finisse la journée. Attends, mais comment j'ai perdu de... J'ai fait de l'argent pour la prison. En libre. Mon pote Rip, qu'est-ce qu'il veut? La bide au Bacati. Putain de voleur. Oh, monsieur le garde, il faut que vous m'aidiez. Desde la pata. Qui t'a volé? Fradistire tapa. Bien, tu payes. Mitma, si tu... Je pense que Maru, à mort ou côté, a volé mon alliance. C'était le dernier souvenir que j'avais de ma femme. La date de notre mariage est écrite dessus, c'est comme ça que tu sauras que c'est à moi. Si tu me le rapportes, je te donnerai 20 dollars. Je n'ai pas besoin de parler de gratitude, tu veux aider? Oh les bâtards, ce qu'ils ont fait à Rip. Les gars, vous votez qui? Qui l'a fait? Côté Amor ou Maru? Qui a volé l'alliance de mariage de Rip? Qui a fait ça? Et tout le monde du côté. Bonjour. Oui, monsieur le détenu, mon pote. Ça se passe, hein?
Mais quoi, je peux rien leur dire. Ingugumasanatan. Bouge pas. Arrête de bouger, frère, c'est bon, wesh. Wesh, il a trop de graille, ce mec. Ok. Ça a pas l'air d'être côté, ça a pas l'air d'être côté. À mon repérage, ils sont côte à côte. Ouais, rien à foutre que tu puisses, frère, j'ai pas le temps. Il a pas. Je crois qu'il est complètement barjou, Rip. Hein. Ah, du coup, faut que je fouille ses chiottes, quoi. Wesh, Maru, il fait jamais rien de mal, frère. Bon, vas-y, vas-y, frère. Ah non, c'est à mort. Il fait partie du gang des puants. Il déteste Jack Flores. C'est qui Jack Flores, frère? Eh, j'ai pas le temps. Ça, j'ai pas de chance, frère. Me dis pas, c'est dans les toilettes de côté. Ah, je suis obligé d'aller faire les toilettes de côté parce que après, il me restera que ma roue à faire. Mais wesh, il fait que de pisser. Oh, plus vite, wesh! Wesh, ils aiment trop être aux toilettes! Je les laisse. En fait, vu que c'est pas lui qui a un truc, je peux lui laisser. Du coup, ça nous laisse Marwan Sama. Partie de gang des tueurs en plus. Hein. Régène-toi, Kram. J'ai pas de nourriture et j'ai pas envie de voler au... J'ai trop peu de respect là. Si je vole la nourriture, ils vont péter leur crâne. Ça, on va sécuriser. Il l'a caché où la bague, wesh? Bah alors? Eh, ne la prends pas. Elle est pas à toi, mec. Peu importe ce qu'il te paye, je paye le double. Mais pourquoi il veut absolument cette bague, lui, il est fou? Non, non, je dois la ramener à Rip. Là, ça a une valeur. Ça a une valeur sentimentale. Ça a une valeur sentimentale. En plus, pour 40 balles, je dois la ramener à Rip. Rip, pas de bonhomme. J'ai juste de lui ramener. Clique Lost Ark. Je viens de cliquer, les gars. Ok, maintenant. Eh, me regarde pas, toi. Shooter. Shooter, je vais lui vendre. Ça, je lui offre. Et ça, je lui vends. Et comme ça, c'est carré. Hein. J'augmente respect. Et en même temps, j'augmente ma thune. C'est carré, non?
Après, j'ai pas l'impression que ma thune soit vraiment intéressante en fait. Je crois que c'est la fin de journée de toute façon là. Ah non, il me restera un truc à faire après. Va falloir que j'achète à manger en vrai. Hein. Merci Neozit. Augmente la force d'attaque de 10%. Guérit 1000 HP. C'est bon, au moins on est dans une bonne. On est dans une bonne santé. Ok, on a toujours pas eu accès à la cantine par contre. Va au bureau. Ok. Ça, à chaque fois je rate, les gars. À chaque fois je rate. Suivant. Desde la pata. Mais je peux pas fouiller son truc. Ok, non. Okay. Bah non, ça c'est truc de bienvenue. Fouille. Il a rien. Alors, Andrew Vikernes. Andrew V-E-E-K-E-R. N-E-Z, V-E-E-K-E-R-N-E-Z, c'est bon. Numéro 35-83-61, ok, ok. Ça, c'est la date à laquelle il va être incarcéré, pas la date à laquelle truc. Les empreintes ont l'air d'être similaires. C'est bon, hein. C'est validé. Gardien! Pourquoi j'ai perdu 150$? Ah, parce que j'ai acheté à manger et tout. Va dans la salle de briefing. Ok, parfait, les gars. Nouvelle journée, nouveau classique. Oui, oui, c'est moi. Bah, le jeu est carré, hein. Oui, c'est terminé pour aujourd'hui. Ok. Oh, je suis quasiment niveau 5. Je vais pouvoir bientôt améliorer. Le risque de meute n'a pas augmenté. Tu t'es encore trompé. Faut que j'aille augmenter. Là, faut que j'augmente mon. Faudrait que je passe niveau 5 et après, je vais mettre des points de compétence. En vrai, ça va, hein, même en super difficile, le jeu il est ok. Mais j'ai failli mourir à pas mal de moments. Ça ajoute une dose de stress qui est pas mal. Mais bon, après, si je perds, c'est vraiment le seum quoi. Si je perds, il n'y a plus rien. Ça va, vous kiffez? Tu as plusieurs cellules à vérifier. Rends-toi dans chacune d'elles dans n'importe quel ordre pour les fouiller. Va vers l'objet pour vérifier. Si rien n'est caché, tu peux continuer à fouiller. Non, mais ça, j'ai déjà fait. Bien les cellules, 2 shooter. Ok, shooter, c'est sûr qu'il a un truc. C'est la fouille. Eh ben, shooter. Ouais, mais qu'est-ce qu'il veut, lui, frère? Allez, il veut trop se battre tout le temps. Tu veux encore te battre? Il est malade celui-là. Simple. Dave. Il est où Dave déjà? Bah, Xavier, c'est un vendeur. Ne parle pas devant les autres. Bah, Xavier parle mal, hein.
Ah, j'ai laissé, hein. Putain de merde, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça, les gars, c'est bon, ouais. Oh putain, ça se tape là-bas. La vie de Macat. Frère, les autres gardes, ils veulent pas bosser un peu. Ok, Xavier s'est barbé. Zongo. Il se tape contre qui là, oui, ça. Ouais, je suis bien. Mais pourquoi ils se battent? Ok. Il a dû faire un truc mal. Zongo, Niski, période. Waouh, les mains. Ok, période. Mais pourquoi ils allument tout le monde? Wesh. Qu'est-ce qu'il a encore? Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as où, wesh? Oh non, mais c'est bon, frère, c'est bon! Ça arrête jamais. En plus, leur respect, il baisse, du coup. Pourquoi ils me tapent? Ah, j'ai plus un HP. Quoi? Quoi? Mais arrêtez, putain. Je vais mourir, je vais mourir. Oh putain, j'ai un HP. J'économise ma stamina. Non, vas-y, c'est bon. J'ai compris, c'est vous, bande de chiens. Oh, ta gueule, putain de merde. C'est bon, arrêtez, arrêtez, wesh, c'est bon, là, c'est ça fait, c'est le 500ème. Heureusement, j'en ai. Oh putain de merde. Ah non, c'est un enfer là. Ah non, vous baisez la game. Ah non, c'est bon les gars, c'est bon wesh. C'est bon, ça c'est le 700ème combat. Non. Ah, je suis bloqué. Oh putain de merde, Niski, Zongo. Oh, can me hard. Il est où Zongo déjà? Pour des fins médicales. Là, je suis obligé de faire ça pour que le respect y reste. Par contre, s'il a de la graille, je lui prends. Faut de la putain de graille. Arrêtez! Non, je peux pas tout gérer. Ah non, c'est trop dur là, c'est trop dur. Ah, c'est fini.
c'est la fin de la game, dommage. Ah, j'ai pas d'énergie, je suis mort. Non les gars, voilà, c'est pas drôle, là c'est trop abusé, là je vais enlever le truc. Bah voilà, fin de la game, GG. Ah, c'est pas drôle, voilà, c'est pas drôle, frère. Voilà, c'est pas drôle, voilà que c'est pas drôle. Non, non, abusé, ouais, c'est même plus drôle. Je dois recommencer depuis le début, je rejoue pas, hein. Non, mais un peu, mais là, vous avez abusé, là. Là, vous avez abusé. Non, bah oui, bah GG, je rejoue pas, en fait. Wesh, j'en ai battu 18, c'est bon. J'ai éteint 4 feux, j'en ai battu 18, c'est bon, on a compris. Attendez des moments intéressants. Menu principal, c'est fini, je peux plus lancer ma game. Bah oui, je vous ai dit, je suis en mode ultra hardcore. Bah ouais, vous vouliez le mode ultra hardcore. Bah derrière, il faut pas baiser les gens comme ça. Vas-y. Bah non. Vous avez baisé le jeu, bande d'idiots. J'aurais dû mettre un timer de fou. Pas obligé de fouiller à 100%. Ouais, je sais que je suis pas obligé de fouiller à 100%, mais là, il y a 4 mecs qui m'attaquent. Il y a le feu. J'aimerais bien fouiller et jouer au jeu normalement. C'est-à-dire là, je dois recommencer. C'est mort, impossible. Impossible, je dois tout refaire. C'est pas intéressant. Non, mais wesh, 78 fois d'affilée, c'est... Non, les gars, franchement, au bout d'un moment, vous m'avez mis dans le mal. J'avais 200 HP. Après, fallait me laisser revivre un peu. C'est bon, bah du coup, terminé le jeu. En fait, là, ça s'enchaînait. Mais il n'y avait même pas de délai. Ah, les bâtards, ils m'ont baisé ma game. Je suis dégoûté. Ah, les bâtards, frère. Ça me dit crame, mais mode impitoyable. Ils avaient prévu tout leur plan. Bande de chiens, vous avez déjà tout prévu. Hein. Impitoyable, truc, nanani. Tout ça pour me baiser. Pour la peine, on va sur Lost Ark toute la nuit. Let's go, dans vos mers. Ah ouais, mais... Non, impitoyable, c'est trop dur. Si je mets impitoyable... Je ne mets pas le chat. Si je mets perte de temps, je mets le chat. Attends, aussi, quand vous mourrez pas de seconde chance, c'est la fin du jeu. Il n'y a rien qui change en fait. C'est la même chose. T'as une save en perte de temps. Ah ouais, c'est vrai. En gros, je reprends de la journée quoi. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, j'ai mis quelques spells. Mais là, il y a un vote chaque 10 secondes, frère. Ah ouais, non, laisse tomber. Ah oui, parce qu'en plus, les votes, c'est comme quand Bibi jouait à GTA avec le mode, tu sais... Oui, oh non, je dois tout réécrire. Putain, et dire que... Oh là là, le mec qui avait dit... Ah ouais, putain. Mais les votes, ça tourne en rond un peu, c'est juste. Un mec qui t'attaque, le feu, et... Et c'est tout, quoi. Ça pue la merde. À la rigueur, je peux mettre le temps maximum, genre 8 minutes, frère. Toutes les 8 minutes, ça peut ajouter une petite situation, peut-être. Oh non, faut que je refasse tout. Et le taxiphone. Les gars, le taxiphone, c'est fini. Hein. Les VOD, elles vont pop sur YouTube. Mais le taxiphone, c'est fini. On a tout fait du jeu. Il doit y avoir un screen avec les trucs. Ouais, mais vas-y, je dois tout réécrire. Là, ils vont tout me réexpliquer depuis le début. Cinq subs pour un nom de prisonnier. Non, mais je crois que je vais pas relancer en vrai, là. Ça, Ah ouais, j'ai trop la flemme, là. C'est... Non, je savais que ça allait se passer comme ça, c'était sûr, frère. On teste Gas Simulator et... Non, mais j'y rejouerai à ce jeu-là. J'y rejouerai parce que j'ai kiffé, j'étais que en early game. On teste Gas Simulator. Gas Simulator, le nom, il a l'air de puer sa mère. Mais le jeu, il y a moyen que ce soit de la frappe. Ça peut être un banger caché. Parce que là, en fait, c'est surtout tout refaire.
Je les ferai off-stream et je relancerai... Non, par contre, vraiment, je vais relancer une game de Prison Simulator. On va baiser ma vie, mais c'est pas grave.